je t'élevais au rang de reine. Aujourd'hui je me demande si ça vaut toujours la peine. Oh la haine que je ressens n'a pas de limite, ne dis pas à ta mère. Pour moi, je crois pas que c'est nécessaire. La fleur a fané, dis-moi à quoi ça sert. Madame ne fait jamais le premier pas. Oh no, dis pas que tu savais. Non mais dis pas que tu savais. Je connais tes habitudes, tes mauvaises attitudes. Pourquoi le couteau? Tu me prends pour qui? Tu me prends. Je peux pas avec ça. Tu crois que j'ai peur de ça? Tu sais ce que j'ai fait pour toi? La femme! Après tout ce que j'ai fait pour toi, pourquoi tu en prends? La femme! Tu pensais que je vais te tuer. Ben, moi ça va, mais je voulais plutôt demander, aborder un sujet assez gênant avec toi. Parce que ça ne concerne pas Cody. Non, ça ne concerne pas Cody. Au contraire, ça ne concerne même pas. C'est ça qui est gênant. Je ne sais pas comment je vais te dire. D'accord. Tu sais, depuis, on ne fait que parler d'enfants et tout. Et voilà, nous deux, on a hâte que tu aies un enfant. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec Elimbi? Vous avez hâte que j'ai un enfant, vous deux qui? Non, je veux dire, ma femme et moi, depuis, on attend que vous ayez aussi votre enfant, tu vois. Ah, ça l'a fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, depuis, ou bien tu ne veux pas d'enfant, je ne sais pas. Comment, non, je ne veux pas d'enfant. C'est mon rêve le plus cher. Mais ça fait quand même beau que vous êtes mariés, que vous êtes ensemble et... Voilà, c'est quand même toi le grand Macaulay. Qu'est-ce qui se passe? C'est un sujet qui me rend tellement triste. Pour dire vrai, je suis un peu peureux, je vais l'avouer, c'est entre nous. Et elle est bien à la maison, de temps en temps, elle pleut, elle est triste, c'est pas évident. Elle est partie faire ses examens, puis bon, apparemment, de son côté, il n'y a pas de soucis. Donc c'est pour ça. Bon, ça va rester entre nous, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai un peu peur, quoi. Je sais pas. Est-ce que ça veut dire que le problème viendrait de toi? Tu comprends donc d'où la peur? Ouais, mais mon cher ami, je pense que quoi qu'il en soit, tu dois aller à l'hôpital. Parce que le résultat, c'est d'avoir un enfant. Imagine que j'arrive à l'hôpital et on me dit que je ne peux pas concevoir, que c'est moi le problème. Tu imagines la honte?
c'est ouais, ça. Mais au moins, là, tu as résolu le problème. Bon, pas résolu le problème, mais là, on sera au moins sûr. C'est plus facile d'un côté. Mais tu n'es pas sûr que c'est ce qui va se passer à l'hôpital. Va d'abord à l'hôpital, tu fais des examens, peut-être qu'ils vont te donner un traitement, je ne sais je pas. Je comprends, mais les probabilités sont fortes. Tu imagines, Eline, de son côté, c'est tranquille. Du mien, je ne sais pas. Je réfléchis encore. C'est vrai que je pars, je peux trouver le temps pour y aller, mais. Je sais, à présent, j'ai vraiment peur. Ouais, je te comprends, mais je te conseille c'est vraiment de... C'est un sujet que j'aime plus qu'on continue à parler, donc on peut juste trinquer pour l'habitat de mon équipe, même quand tu n'es pas d'accord, mais bon, c'est... D'accord. Ça marche, c'est comme tu veux. Hey, ah. Endale. C'est comment mon beau-frère? Ça va très bien, tu viens d'où comme ça? Je viens de l'école. Ça se passe bien avec l'école? Oui, ça se passe vraiment bien. D'accord. Sinon, où est ma soeur? Elle est dans la chambre là, mais ah. C'est quoi cette impolitesse? Tu vois pas ma collée? Ah, bonsoir ma collée. Bonsoir Endale, ça comment? Ça va bien. Mm. Bon, je pense que ce serait mieux que j'aille rejoindre ma soeur, je vous laisse discuter. D'accord, tout à l'heure. Endale. Ah, c'est comment ma soeur? Ça va, et toi? Ton ventre, ça gonfle tous les jours. Ouais. Non, ça c'est va. C'est bientôt, j'accouche. Je suis super fatiguée. Super fatiguée ces derniers temps. Non, en tout cas, mais ça c'est mon neveu ou bien ma nièce. J'espère qu'elle se porte très bien. À merveille. T'inquiète. Si vous voulez te poser une petite question, c'est un peu indiscret, mais bon, tu es quand même ma sœur. Question. Sinon, quand? En fait, regarde-moi, quand on est enceinte, est-ce qu'on fait toujours les rapports sexuels? Je vais te demander, mais c'est curieux, c'est tellement pas de moi. J'avais pas vu ça venir, en fait. N'est-ce pas? Bien sûr qu'on fait toujours avoir des rapports, mais avec mon âge, j'arrive plus, on n'arrive vraiment plus à avoir des rapports. Je sais pas pourquoi. Oh. Ouais. Tu sais, il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles ont beaucoup envie de faire l'amour, d'autres pas. Je pense que moi, je fais partie des femmes qui n'ont pas envie, en fait. Ouais. En fait, je n'étais même pas supposée parler de ce genre de choses avec toi, en fait. Pourquoi? Tu es quand même assez... Bon, ouais, c'est bizarre. C'est intime, c'est bizarre. C'est juste à ma soeur. C'est juste à ma soeur que je peux demander ça. Ouais. En passant, il y a Noah qui arrive la semaine prochaine. Oui, elle a eu le visa en fait. Elle arrive la semaine prochaine. Ouais, je suis très contente en fait. Enfin, qu'elle viendra. Au moins, j'aurai quelqu'un de sûr qui sera là tout le temps avec moi pour s'occuper de moi. Désolée, grande sœur. Allô? Oui. Ah, d'accord, j'arrive. Jai, ma copine, c'est comme si elle a un gros problème, je ne sais vraiment pas lequel. Donc je pense que je viens de recourir chez elle pour être sûre que tout va bien. Mais elle t'a pas dit de quoi il s'agit pour que, à peine arrivée, tu veux déjà partir. Bon, elle n'a pas eu le temps de parler, ça sale vraiment l'air d'être grave, grande soeur. En tout cas, dès que j'arrive là-bas, je t'appelle pour te raconter. Je pense donc que c'est mieux que tu es avec Ona, alors tu demandes à Ona qui t'accompagne. Ou que ça soit rapide. Parce que sinon, tu iras comment? D'accord, je verrai, je vais causer avec Ona, on va voir. Bon, ciao, mon grand ami, je t'aime. Moi aussi. Pauline. Ah, monsieur Ona. C'était vraiment un plaisir. Ouais. Endale, tu vas où comme ça? Bon frère, je dois vraiment te laisser. Tu rentres déjà? Oui, j'ai vraiment une urgence. Mais je croyais que tu allais passer la nuit ici. Non, pas du tout. Ma copine, Joy, que tu connais, vient de m'appeler. Ok. Donc, je dois aller la retrouver. Et tu dois partir là tout de suite? Oui, je dois vraiment y aller. Elle ne disait rien au téléphone, donc je sais pas. D'accord. Donc, oui, j'y vais. Je crois que tu allais presser. Donc, oui, je peux la laisser comme si... Je trouve que c'est une bonne idée, mais allez-y ensemble, il va te laisser. Si tu es en voiture, je peux te laisser, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Bon frère. Passe une bonne soirée, non? D'accord. Encore. À la prochaine. Tu penses le Cody? Je le ferai. Toi aussi, elle est libre. Merci. Et dis-moi ce qui ne va pas. Dans tes yeux, je peux te voir. Ne me mens pas. Oublie tes
souci oublié. Je te veux la vie pour toi, mon cœur. Oublie tes soucis, oublie. Et quand ils sont arrivés, on va avoir l'épousé. C'est ta copine ici, hein? C'est... Oui, ma copine. C'est pas comment? Jayou. Oh. Elle a eu quel souci? Parce que c'était urgent, là. Bon, je veux aussi aller le voir parce qu'elle avait gagné, elle n'avait pas arrêté. Parce que moi, je serais que. Bon, frère, que je vous laisse. Il y a beaucoup de choses, il y a eu un souci. Par rapport à la dernière fois, on a pris le temps de causer. Et j'ai pas du tout compris ce que tu faisais dans ce lieu, quoi. Ça m'a fait un choc de te voir dans un endroit aussi. Tu n'es pas dit sale, quoi. Sale, alors que tu veux penser. Oui, mais comment tu as pu arriver dans ce monde, dans un monde pareil? Pour tout te dire, c'est pas un truc que j'avais planifié. C'est un ami qui m'a mis à l'intérieur et au départ c'était juste pour du fun, juste pour s'envoyer en l'air. Et après, j'ai eu des personnes qui ont commencé à me payer. Bien sûr, quand tu fais un truc que tu aimes et en plus c'est de l'argent, t'as le mieux plus facile et qui refuse d'avoir l'argent. Donc, grâce à ça, j'arrive à me gérer et je m'en vais. En fait, c'est comment tu aimes t'en venir? Bon, on dirait que c'est sale de dire. Le fait aussi de recevoir l'argent autour. Non, c'est pas des copains. C'est pas des copains. Tu poses beaucoup trop de questions. Oui, parce que ça m'inquiète. Ok, arrivons sur toi. Sinon, qu'est-ce que tu veux dire? Déjà que tu es un homme marié, moi je n'ai rien sur mon dos. Est-ce que, comme tu peux. Juste aller pour découvrir aussi, pour dire que bon, je vais pas me lâcher. Rien de sérieux, quoi. Donc, si tu me dis que tu es comme ça, c'est grâce à ça que tu peux te lâcher. Quel paradoxe. Bon, je pense que j'ai compris mes raisons Je vais faire l'effort de garder ça pour moi, comme c'est pas facile. Bon, je vais faire l'effort de garder ça pour moi. Tu as intérêt aussi, sinon je connais aussi votre femme. c'est le chantage que tu veux faire ou bien c'est quoi? Non, pas ça, mais chacun doit protéger ses intérêts, ma collègue. Bon, okay. À la prochaine. D'accord, il n'y a pas de soucis. Merci, maman. Une bonne soirée. J'espère que ta copine va bien. Ouais, regarde comment tous ils ont innové. Ils se demandent si ça va bien finir. Dis-leur, c'est pour la vie. Oublie. Regarde comment tous ils ont innové. Non, dis-moi ce que tu m'as fait. Dis-moi. Oui, tu connais Flatté. Non, dis-moi ce que tu m'as fait. Il t'a fait quoi? T'as rien fait, moi. Non, pourquoi à chaque fois que je suis avec toi, je me sens tellement si bien? Vraiment. Et tu jures? Hé, Ebodé. Toi, je sais pas ce que tu m'as mis dans la bouteille. Oui, maman. Oui, vas-y. T'es pas mis dans la bouteille. Regarde-moi dans les yeux. Te regarde. Je pense qu'ils sont en train de développer les choses pour toi. Hein. Sérieux. Et tu jures, c'est comme si un peu, je développe les sentiments pour toi. Ok. C'est quand même bizarre, non, de toi. Parce que toi, si tu es un homme à femme, là. Toi, je suis un homme à femme, mais je peux pas être amoureux. C'est toi les lieux en fait, parce qu'avec toi c'est tellement différent. Avec les autres filles c'est seulement, tu vois, avec toi je me sens bien, il y a ce feeling, il y a ce truc là. Et tu n'as vraiment pas de copine? J'ai pas de copine, avec tout, moi j'ai pas de copine, moi je veux être avec toi. Okay. Tu es la seule fille avec qui je veux être, et te jure, vraiment il faut penser par rapport à ça. D'accord. Parce que c'est à chaque fois qu'on se voit, c'est seulement pour... Ouais, je comprends. En tout cas, déjà que tu m'intéresses, donc c'est pas si mauvais. En tout cas, je reviens, je reviens dans votre tournée, ok? Tu m'as envoûté, je te jure. Oh. Seigneur. Ah. Tu peux encore faire un tour là? Non, j'arrive. Ah, la fille, oh, Ebodé, calme-toi. Enfin, j'ai terminé. Tu as terminé? Oui. Tu trouves mon outfit comment? Ça va. Avec ton destroy des... En tout cas, tu me vends vraiment. Mais tu as vu le destroy ou en fait, il n'y a pas de destroy. Tu m'as déjà... Bon, je lui ai dit, comme c'est un peu délavé là. S'il te plaît, je peux m'aider à faire le lit. Comme ça, ça va... Indaler. Ah. Tu ne peux pas faire ça seul? Non, fais ça seul. Pourquoi? Pourquoi tu es là? S'il te plaît, faisons vite. Oh, je vais oublier. C'est quoi ça? Quoi comment? Tu vois quoi dans ma main? Mais c'est ton soutien. Mon soutien? Donc je ne connais pas mon soutien. C'est mon soutien ici.
Intal, est-ce que c'est la première fois que tu viens ici? Ça doit être ton soutien, tu as laissé ça peut-être, je sais pas. C'est la dernière fois qu'on t'est, c'est un ceinture avec un soutien bleu. Non, c'est vraiment toi qui achètes mes soutiens et je ne connais pas la couleur, je ne connais pas. Non, parce que c'est pas... même pas ma taille, Bodé. Si c'est pas ton soutien, c'est le soutien de qui? Ah. Intal. Donc tu me trompes. Je te trompe comment? Donc d'abord, tu m'as dit que tu m'aimais. Intal, attends, t'explique. Parce que moi, je pense, je voulais te dire aussi parce que dernièrement. Mes cousins viennent ici, je t'ai parlé de mon autre cousin en esprit, tu vois. Dernièrement, il avait une fille. Oui, c'est ça, tu peux prendre plus. Oui, sérieusement, ça doit vraiment être pour la même. Tu sais quoi, ça va, laisse tomber. Ce n'est même pas grave, ça va. Oh, t'es sûr? Oui, ça va, t'inquiète. La façon dont tu es en train de faire là, je te non, crois pas. Non, ça va, c'est pas grave. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça va, c'est pas bien. Ouais, je t'ai dit que ça va, non, c'est pas grave. C'est pour qui? Ok, je te propose alors, d'aller prendre un pot. Maintenant, si. Oui, maintenant. Est-ce qu'on se voit souvent ensemble, Bodé? Mais. Tu oublies qu'on ne doit pas se voir, d'ailleurs. Mais la dernière fois que tu t'es venu à mon cœur, dans mon cœur, je suis allée chasser. Ça ne t'a pas suffi? Écoute. Mais la dernière fois, j'ai compris quand même que j'avais exagéré. J'étais venu jusqu'à ton université. Mais là, présentement, on vient de passer du bon temps. Ça serait normal. Écoute bien, on fait le business, hein. Et on fait nos choses à côté. Il faut faire notre différence. Le business à part. Je ne mélange rien. Elle est juste en train de parler d'un petit pot parce qu'il fait beau temps. Tu as vu? Oh, là. Mon téléphone sonne. Désolée. Qui t'appelle? Je vais aller voir, moi, je ne sais pas. Ah, c'est. Ah, j'arrive, s'il te plaît, je vais répondre. Si ce n'est pas. C'est que c'est des heureux de débutants. C'est devant ma tour. En retour, je tourne. J'ai foncé sans regard. Cet amour m'a condamné. Je peux plus m'en séparer. Elle occupe toutes mes pensées. Maintenant, je suis accroché. Bébé n'est pas. Ah, on se condamne. Ouais, encore. Je vois le sourire sur ton visage. Tu veux pas savoir. Quand il m'appelle, il me dit que Makolo, tu peux prendre l'enfant. Ben. C'est le dernier rendez-vous là, dans la corde. Tu veux pas savoir. Raconte, accouche. Tu as rencontré une belle. Elle est belle, man. Comment tu veux quand tu rougis quand tu parles? Il t'a jamais vu comme ça. Elle est unique. Est-ce que tu t'en rends compte que le premier rencard, elle m'a demandé de passer chez elle? Non. Elle t'a dit non? C'est elle qui a proposé. Ouais. Mais dis-moi que tu as refusé pour être un peu macho. Okay. Tu fabriques. Tu fabriques. Okay, oh, mais c'est content pour toi, c'est content. Non, mais sérieusement, je veux vraiment du sérieux avec cette fille. Je sens que je suis amoureux. Je te souhaite vraiment cela. Eh! Enfin, quand elle m'a retrouvé l'amour. Non, ne sois pas aussi. C'est ton très. Ça va marcher. Non, il faut te calmer. Makolo, qu'est-ce qui t'a empêché? Tu m'as vu dans les va-et-vient. Je vois comment ton sourire arrive. Oui, est-ce que tu m'as vu dans les va-et-vient? Donc, Céline, je veux faire tout pour que ça marche. Sincèrement. Tu es le meilleur, mais il faut aller doucement, Molo. C'est que parfois, on dit Makolo, que... si je pars doucement, on arrache. On dit que l'amour donne les ailes, mais on peut couper tes ailes en haut. Donc, fais attention, ne t'envole pas trop. Vraiment, on va couper. Je ne sais pas pour te porter, donc vas-y doucement. Essaie d'abord de bien te connaître. Je suis fier pour toi, hein. Je suis fier pour toi, man. Ne sois pas aussi trop. Tu es trop excité. Ouais. Non. Comme je t'ai dit, non. Wow. Ok. C'est que là-bas, je suis d'abord prêt. Non. Donc, le rendez-vous là, il doit prouver. C'est ça qui arrête la femme, non? C'est ça qui bloque la femme. Je sais. Mais merci vraiment. Tu m'as vraiment aidé. Tu m'as vraiment aidé. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Tu sens le bonheur, Ouais, ma collègue. Peut-être que d'ici peu, tu pourras lui mettre l'agneau au doigt. Mais il faut dire que quand tu viens à la maison, qu'on a servi le repas, hein? On s'assoit comme ça, on nous sert. Tu apportes mal là, comme on dit souvent, Elimbi. Non, ma collègue. Ne m'amène pas les esprits là. Non, il n'y a pas de soucis. Non, je ne veux pas ce genre de comportement. C'est vrai que les prochains rendez-vous, il faut bien assurer. Il faut très bien assurer. Ouais. Ouais. Tu fais confiance. Dès qu'elle demande, là, tu lui donnes ça comme. Je sens que c'est l'amour de ma vie. Fais d'abord un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous. Tu veux comme un enfant, il commence à la matinée, c'est l'amour de ta vie, tu as fait quoi?
calme-toi. Makolé, tu sais ce que ça fait d'attendre si longtemps avant de trouver quelqu'un? Toutes les filles que je rencontrais, elles étaient toujours, elles montaient, descendaient, elles ne s'intéressaient même pas à mon fils. Mais là, je lui ai dit directement, parce que moi j'ai voulu être cash. Je lui ai dit directement et... Là, là, pas le problème que tu as... Waouh, ok. Il préfère qu'on parte s'asseoir quelque part pour mieux en parler. Donc ça veut dire oui, comme l'enfant est chez la nounou là, que je vais aller les chercher tout à l'heure. Donc je préfère qu'on sorte, on prend quelque chose dehors. Bon, ça, c'est juste l'apéritif. Non, c'est l'apéritif, vous avez le droit. Ne va pas. J'aime pas ce gars de prison. Attends, ton petit copain. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'en rends compte. L'autre soir, on était ensemble. Et. On voulait. En fait, moi, j'ai envie d'avoir une vie, tu vois. Ouais. Et lui, il disait qu'il est fatigué. Mais ça, ça peut arriver, non? Non, c'est pas dans ses habitudes. Je connais mon gars. Oui, mais je me dis après le travail et tout. Ça n'a rien à y voir. Ok. Ça, j'ai. En fait, j'étais inquiète et. Chose que j'aurais pas dû. Je suis entrée dans son téléphone. Oh non. Je sais que j'aurais pas dû. Mais je suis entrée dans son téléphone. Et si. Mais après, vraiment... dans le téléphone, tu peux trouver des messages que des filles qui tentent, qui essaient de le séduire, envoient. Du là coup... n'est pas le problème. C'est que. C'est lui qui écrit à la fille. En fait, il me trompe avec une fille, je sais pas comment. Mais le message disait quoi? Parce que les hommes, ça peut graguer, ça peut dire je t'aime, mais après, c'est pas forcément pensé. Si c'était au moins ce je t'aime, là, ça... il appréciait en fait la nuit passée avec elle. La nuit, ça peut être en boîte, ils ont pris juste un pot, c'est pas si grave en fait. Je me dis. Non. Arrête de pleurer. Mais qu'est-ce que le message disait à lui-même en fait pour que tu te mettes dans cet état? En fait, ils ont couché ensemble. Oh. Et oh, il a aimé en fait. Oh, désolée ma chérie. Ça va aller. Après tout ce que j'ai voulu faire pour ouais, ce j'imagine gars, le sacrifice et tout. Oh non, ça va aller. Ça va aller, cesse de pleurer, ça va aller. Oh non. J'arrive mais pas à imaginer. Et qu'est-ce que lui il a dit? Par rapport tu à la fille, si c'était des mecs, il ne dit jamais la vérité, c'est la même chose. Et je peux... Mais vous vous aimez pourtant. Je pense pas tu peux pardonner, non? Je pense pas. Peut-être c'était m'aime. Le coup d'un soir, non. C'était la fille d'une nuit, je sais quand pas. Quand on aime quelqu'un, on ne trompe pas en fait. Je suis pas sûre de cet amour parce que je sais oui, pas. Mais après, la vie, c'est pas toujours du blanc ou du noir. Hein. Non, calme-toi d'abord, essaye de boire, tu te calmes. Je n'arrive même pas à imaginer, je n'arrive même ouais, pas ouais, à imaginer. Oui, oui, je peux comprendre, calme-toi. Que le gars peut me faire ça. Ah non, cesse de pleurer, crois-moi, ça va aller, crois-moi. Ok, essaye de te calmer, je peux comprendre ta douleur, mais ça ne vaut pas la peine en fait. Bonjour chérie. Woody, où est-ce que tu étais passé depuis? J'étais faire une course en ville. Ah, tu as mis long, hein? Quand je partais, tu dormais en fait et j'ai pas voulu te réveiller. Donc, c'est ça. La course a pris plus de temps que prévu, c'est pour ça que j'ai duré. Ah, tu as vraiment mis long. Hein. Toi, ça va? Tu as déjà déjeuné? Ouais, j'ai mangé un truc, mais toi là. Avec tes coups que tu fais, tu pars, tu mets dans la suite, je ne te connaissais pas. Elle a dit que tu mènes une double vie. Carona, tu sors d'où avec de tes imaginations? Bah, laisse tomber, oublie ça. Ouais, c'est mieux en fait. Je vais prendre une douche. D'accord. S'il faut du temps pour te voir. Je prendrai le temps qu'il faut, histoire de ne pas te gâcher. Pose ta tête sur mes épaules et dis-moi ce qui ne va pas. Dans tes yeux, je peux te voir. Ne me mens pas. Alors, oublie, t'es censé oublier.
Je te Ah. Tu vois, constamment, les gens ont bien sur toi, mais tu prends. Je vais pas trop à l'alcool, c'est plus pour les visiteurs. Ah, ok. Là, je vais prendre du Julien. Toi, tu en veux? Non, non, merci. Ok. Tu me donnes ma veste, s'il te plaît? Bien. Merci. Alors, comment tu vas? Tandem. Tu es tout beau ce soir. Merci, toi aussi, très joli. Merci. La semaine a été. Ouais. Fatigante, épuisante, stressante. Mais bon, ça va. Là, c'est lui. Il y a toujours à faire. Toujours. Toujours. C'est la vie que j'ai choisie. Il faut toujours attendre pour les moments comme ça. Ouais. C'est pour ça que tu es là. Je suis 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 là. Flying high like a bird, but my fluttering wings can keep you from pulling me down. Your mama says I'm a fool, and yeah, maybe that's true, 'cause I can't stop thinking about. Regarde, tu peux pas imaginer dans quel état je me trouve actuellement là. Si seulement tu pouvais me voir. Trouve une solution pour qu'on se voit ce soir, s'il te plaît, Odé, je t'en supplie. Trouve une solution. Là, je suis tout en chaleur, j'ai envie de toi, j'ai même envie de te voir. Et Odé, je sais que tu peux te libérer, je sais que tu peux te libérer, s'il te plaît. Ne me laisse pas comme ça. Tu veux sincèrement que je dorme? Chérie? Avec qui est-ce que tu étais au téléphone? Avec maman. Avec maman? Ouais, mais maman. Pourtant, j'avais l'impression que tu chuchotais. Hein. Pourquoi tu chuchotes quand tu poses avec moi? Tu sais, je suis fatiguée. Est-ce que je parle souvent fort? En plus, il y a à quelle heure est-ce que je parle souvent fort? Là, ça va? Ouais, ça va, ça va. Je souhaitais te rejoindre dans la chambre pour quand. Pour qu'on voit si on peut fortifier le bébé. Fortifier le bébé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu sais ce que le ministre a dit, je ne dois pas être trop bon mouvement. Ouais, mais il n'a pas, il nous a interdit de... Tu sais, ça fait longtemps et j'ai beaucoup patienté, tu vois. Donc, je ne peux vraiment pas supporter. Ouna, pas ce soir, s'il te plaît. Je t'en supplie pas ce soir. Je suis un peu fatiguée. Là, tu me prends là. Sur le coup, je voulais déjà. Mais j'ai envie de toi. Je viens de cause avec maman. Elle ne se sent pas bien. Donc, je suis vraiment pas d'humeur en fait. Faire l'amour, c'est la dernière chose dont j'ai envie en ce moment. Amour, tu es ma femme. Tu es ma femme. Et tu as un devoir conjugal vis-à-vis de moi. Ok. Tu ne vas pas quand même en venir. Non, mais ça fait combien de temps on n'a pas couché ensemble? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant ce temps? Voilà. Patience. Regarde, moi là, je suis tout tensure, je oh veux non. Seulement. Oh non, sois patient, s'il te plaît. Bientôt je vais accoucher. J'ai trop patienté, je t'assure, j'ai trop patienté. Attends encore un peu, patiente encore un peu. En tout cas, pas ce soir. Ce soir, je suis vraiment pas d'humeur. Je suis pas dans tous mes états, naturellement, s'il te plaît. Comprends-moi. Oui, mais j'ai envie de toi. Ça, tu me comprends, j'ai envie de toi. Tu es ma femme, coupe-moi. S'il faut du temps pour te voir, je prendrai le temps qu'il faut. Histoire de ne pas te gâcher, pose ta tête sur mes épaules. Et dis-moi ce qui ne va pas, dans tes yeux je peux te voir. Ne me mens pas. Salut bébé. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais dis, qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai gardé un joli cadeau. Et tu penses à l'autre que tu vas m'acheter?
Tu veux pas me répéter, qu'est-ce que tu fais là? C'est que j'ai été indigne de notre relation. Oui, et s'il te plaît, pardonne-moi. C'était qu'une seule fois. Une seule fois? Une seule fois? S'il te plaît. On m'a pas dit, j'ai vu dans ton téléphone. Tout le temps, je te demande que bébé, je vais faire si tu refuses. Parce que tu fais tes trucs ailleurs et aujourd'hui, tu me dis que tu es désolée. Je suis à genoux, s'il te plaît. Pardon. Et? S'il te plaît, je peux t'aider. N'oublie pas tous les moments qu'on a vécu ensemble, pardon, n'oublie pas. Tu aurais dû penser avant, tu as compris? Tu aurais dû penser avant. S'il te plaît. S'il te plaît, est-ce que tu peux sortir de chez moi? Tu veux que j'aille où? Je veux que tu sortes de chez moi, tu aurais dû penser. Va n'importe où. Non, sors de chez moi, s'il te plaît, vas-y. Non, lâche-moi. Sors de chez moi. C'est comme ça que tu perds le temps. C'est fini depuis. C'est pas aujourd'hui que ça finit, c'est fini depuis. Tu es la seule que j'aime, je te jure. Je ne suis pas la seule que tu aimes. Je ne pense pas. Tu peux sortir. Je te demande de sortir, lâche-moi. Sors de chez moi, s'il te plaît. Je pense que tu ne veux pas comprendre. S'il te plaît, sors de chez moi, vas-y. C'est si tu me laisses partir comme ça. Toi, tu es encore là. On va s'en prendre ton cadeau de plat aussi. Je ne suis pas d'humeur, laisse-moi. C'est quoi que tu s'est passé dans la nuit? Je t'ai dit que j'étais pas d'humeur, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu n'es pas d'humeur? Tu n'as rien fait, laisse-moi, c'est bien. Chérie, parle-moi, c'est quoi? On s'est couché hier, il n'y avait pas de souci. Le matin, je te lève, tu es de mauvaise humeur. Pour toi, il n'y a pas de souci. Pour toi, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand je vais passer un bon temps avec toi et que tu me repousses, comment est-ce que tu veux que je dorme bien après ça? Oh non. Tu reviens encore sur ce sujet. Bien sûr. Je t'ai dit hier que j'étais fatiguée. Mais quoi, tu es tout le temps fatiguée. Tu es ma femme. Attends, mais c'est normal que je sois tout le temps fatiguée. Je sais, il y a la grossesse. Mais on devrait au moins être. On devrait au moins être capable de passer de temps en temps de bons moments. Donc, tu veux dire qu'on ne passe jamais du bon moment ensemble? Rarement. Mais depuis quand? Depuis que je suis enceinte. Toi, mais tu as remarqué, depuis que je suis enceinte, c'est difficile. Et hier, par exemple, tu viens me trouver, je suis au téléphone avec maman, elle est malade, je ne suis pas aussi de bonne humeur. En fait, un tas de trucs. Du coup, j'allais faire l'amour comment? J'allais me donner à toi comment? Explique-moi. Je t'ai dit, je suis fatiguée, je ne suis pas d'humeur. On pourra le faire une prochaine fois, en fait. Je te comprends. Mais non, je tu ne me comprends pas, apparemment. Je pense que tu même avec la grossesse, c'est possible de passer du bon temps. C'est possible de c'est se possible, partager. C'est possible. Mais il y a des moments où ce n'est pas possible. C'est ça que tu n'es pas en train de comprendre. Oui, il y a des moments où je ne suis pas d'humeur, avec où je n'ai pas envie. Jamais possible. Où les hormones, je ne sais pas. Essaye un peu de comprendre. Oui, mais avec nous, ce n'est jamais possible, chérie. Ok, Ola, tu veux prendre ton pied? Viens-toi alors. On se fait des promesses, que des promesses qu'on ne tiendra pas.